Alors, vous voulez revenir sur cette décision d'une grande banque centrale mondiale, la Banque centrale du Canada, qui historiquement a toujours eu un petit temps d'avance sur ce que, sur ce qu'on fait par le passé, la BCE, ou la Fed. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau, la Banque donc centrale du Canada qui a annoncé, c'était mercredi soir tard, qu'elle réduisait un petit peu le montant des obligations de son programme de rachat d'actifs. Évidemment, les montants en jeu ne sont pas les mêmes que pour la BCE ou la Fed, mais voilà, c'est un signal intéressant qui est passé un petit peu, faut le dire, qui n'a pas fait les gros titres de la presse, mais c'est une première banque centrale d'envergure qui fait ce qu'on appelle du tapering, que feront un jour évidemment la Fed en premier et la BCE suivant. Tout ça n'est pas anodin quand même, hein. Non, du tout, c'est très très important, c'est beaucoup plus important. Alors, Parce la qu'on se dit banque. Banque centrale du Canada, non? Oui, mais vous savez, comme vous le disiez avant, c'est que c'est une banque centrale qui souvent a de l'avance sur ce que fait la Réserve fédérale américaine. C'est des voisins et qui ont une certaine politique économique assez semblable, je dirais. Et là, en fait, la Banque centrale du Canada a avancé de 3 mois son calendrier qu'elle estimait en début d'année. Donc, on voit qu'il y a une baisse des rachats d'actifs, vous l'avez dit, ce qu'on appelle le fameux tapering, une Elle normalisation des. continue d'acheter, mais elle achète moins. Elle était quoi, je crois, à 4 milliards. Elle passera d'ici quelques jours à 3 milliards pour le coup par semaine de rachat d'actifs. Exactement. Alors les taux directeurs ne changent pas, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une normalisation qui arrive. Alors la Banque centrale du Canada, pourquoi est-ce que les médias n'en ont pas beaucoup parlé? Ben, vous l'avez dit, c'est arrivé mercredi soir très tard, il y avait la BCE qui parlait, mais c'est très important, il faut surtout pas le minimiser, et surtout les raisons que sont données par la Banque centrale du Canada pour baisser ses rachats d'actifs. Alors, première chose, c'est qu'elle dit que l'économie va mieux. Donc, on est dans une amélioration de la croissance économique, puisqu'ils attendent pour cette année 6,5% de croissance sur 2021. On pourra voir après ce qu'attendent les États-Unis. Elle dit aussi que l'inflation devrait aussi dépasser les attentes du marché. Et finalement, la Banque du Canada justifie ce début de baisse des rachats par une forte tension sur le marché immobilier. Donc on voit ici qu'on a trois raisons très précises et très importantes qui font que la Banque du Canada est la première grande banque centrale à réduire ses rachats d'actifs. Ouais, sachant que la Banque centrale canadienne ne parle pas pour le coup de la campagne de vaccination, les Canadiens qui ne sont pas spécialement en pointe dessus, qui se comparaient plutôt nous, à nous, Européens, plus qu'aux Américains. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que si on regarde, vous avez un peu plus de 40% de la population américaine qui a reçu au moins une dose contre 22% au Canada. Donc on voit ici que les États-Unis sont en avance si on prend une comparaison avec les Américains. Donc évidemment, les Canadiens sont plus proches de la zone euro. Et puis aussi, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que on voit ici que la Banque du Canada, comme je disais avant, s'attend à 6,5% de croissance pour cette année. Mais la Fed, c'est exactement le même chiffre hein, qu'ils ont donné la dernière fois. Bon, ils se réunissent la semaine prochaine, ne devraient pas changer cet objectif. Et puis au niveau de l'inflation, puisque le Canada met en avant, c'est la raison qui explique la baisse des rachats d'actifs, eh bien on a vu que dans les derniers chiffres de l'inflation, eh bien, les États-Unis en mars étaient à 2,6% et le Canada à 2,2%. Donc, on voit là que même aux États-Unis, on est en avance sur cette inflation. Alors, la question qu'on peut se poser, David, c'est évidemment qu'est-ce qui est différent? Et là, il y a une chose, il y a deux choses de différentes qu'il faut quand même noter, c'est que au niveau de l'emploi, eh bien, au Canada, vous avez 90% des emplois qui avaient été perdus durant la crise du Covid qui ont été récupérés, alors qu'aux États-Unis, C'est la moitié. c'est 60%. Donc, ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a une autre raison aussi qui peut amener ou qui peut expliquer le rythme de baisse des rachats d'actifs, c'est que là, vous avez la Banque centrale du Canada qui possède plus de 40% des obligations du gouvernement. John, Voilà. Vous entendez, David? ça y est, on vous a récupéré. Alors vous me Désolé. disiez. Non, en fait, l'idée ici, c'est qu'on voit que la Réserve fédérale, la Banque du Canada, donc, a des arguments pour baisser ses rachats d'actifs, tout en étant, tout comme la Fed pourrait avoir ces mêmes arguments. Et c'est juste au niveau de la possession, en fait, des obligations du gouvernement d'État, comme je disais avant, qui sont plus grands au Canada, puisqu'ils ont 40%
de toutes les obligations du gouvernement fédéral en circulation. Et ce n'est pas la même chose aux États-Unis. Donc ici, on voit une chose, c'est que globalement, vous savez, les marchés, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est qu'à un moment ou à un autre, les banques centrales normalisent. C'est évident, puisqu'on a une campagne de vaccination qui est en avance aux États-Unis. La campagne de vaccination en Europe va finalement arriver et va donner, va apporter la croissance en Europe en deuxième partie d'année. Et à un moment, on sait, on en a déjà parlé assez de fois ensemble, David, à un moment, il faudra vivre avec une normalisation des banques centrales. Ouais, et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui peut un petit peu bousculer les marchés actions à chaque fois qu'on l'a évoqué. Mais quand on voit la réaction des marchés d'actions canadiens, ils n'ont pas été, pour le coup, bousculés par cette annonce. On se dit pourquoi? Parce que c'est ce qui compte, c'est ce que fera la Fed, ou parce que, quelque part, la Banque centrale canadienne a peut-être aussi un peu a bien balisé le terrain en amont? Et c'est donc peut-être ce qui nous attend aussi avec la Fed, si les choses sont bien amenées. Vous avez tout à fait raison. C'est en fait ce qu'on appelle, et on en a déjà parlé ensemble, c'est ce qui s'appelle la forward guidance, c'est-à-dire parler. Il faut parler pour expliquer. Et ce qui est très intéressant au niveau de la Fed, par exemple, c'est que lorsqu'on a eu les chiffres de l'inflation qui étaient plus élevés que prévu il y a 10 jours, eh ben, vous n'avez pas eu une réaction folle, notamment sur le 10 ans américain, parce que le 10 ans américain a baissé et le dollar a baissé, alors qu'historiquement, ça monte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est dans une phase de normalisation où les marchés ne pourraient pas être choqués si cette phase de normalisation était bien expliquée. Et il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'historiquement, lorsque vous avez les rendements des treasuries qui montent, les rendements des obligations d'État qui montent, eh bien, c'est plus favorable pour le marché que lorsqu'ils baissent. Et la deuxième chose qu'il faut rappeler, parce qu'on l'oublie, c'est que vous savez, David, la précédente présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, qui était à la tête de la Fed de 2014 à 2018, eh ben, elle, durant son mandat, a monté les taux de 0,25, donc le niveau actuel, à 2,5%. Et les marchés, comme vous le savez, ont continué de progresser. Donc il ne faut pas, à un moment, si c'est bien expliqué et s'il y a des raisons économiques fondamentale, il ne faut pas avoir peur de cette hausse des taux d'intérêt et même de ces hausses des rendements. Voilà, et de ce tapering. Est-ce que ce que vient de décider la Banque centrale canadienne, est-ce que c'est quelque part, elle est précurseur sûrement de ce qui va se passer dans les prochains mois, avec notamment la Fed d'abord? Oui, clairement. Clairement, on s'attend normalement… Qui pourrait accélérer son calendrier? Elle pourrait l'accélérer et elle pourrait commencer à donner des indications lors de la réunion, pas la réunion de la semaine prochaine, mais lors de la réunion de juin. Donc, elle pourrait commencer à expliquer qu'elle va anticiper à réduire ses rachats d'actifs, voire pourquoi pas réduire ses rachats d'actifs. Alors, on sait que la BCE, c'est complètement différent parce qu'on a malheureusement un cycle de retard au niveau économique, au niveau de la vaccination, au niveau aussi de l'inflation. Donc ça, ce n'est pas pour tout de suite. Mais on sait quand même, alors pas au regard de ce qu'on a entendu hier lors de la conférence de presse de Christine Lagarde, mais on sait qu'au sein de la Fed, de la BCE, pardon, il y a un clivage très important. Exactement, une dissension entre les partisans d'une politique extrêmement accommodante et les responsables qui souhaitent un retrait progressif du soutien monétaire. Donc on voit aussi ici, plus ça va avancer, et comme je disais, avec un cycle de retard en Europe, mais plus ça va avancer, plus Christine Lagarde va être obligée de donner un peu plus à ceux qui veulent qu'il y ait moins de soutien monétaire et qu'on vive en fait sans le soutien, avec moins de soutien des banques centrales. Voilà, on voulait vous parler donc, ce qui n'est pas anodin, de ce mouvement de la Banque centrale canadienne, donc qui initie son tapering à compter de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David. Salut.